Agucheram, <coughs> mo, agucheram, mo. O cheiro me mora e filmei Agucheram maluquivarou, <coughs> me lhe Geishera mumim aruf el veramim adonai faru vil maro. Rami me fil me raiv alzarom, agujera Tuzrumi lai garufri, eksera mi mal garufid me. nura galasera zarom. Et c'est Maman Bema. Bonjour, bonjour à tout le monde, Aïda Liliane, bonjour à Sidonie Boto. Ah, Josiane Goun et ma fille, sois bénie au nom de Jésus. Siki Bruno, sois béni. Roi Mohamed, bonjour. Esther Edwige, bonjour. Sophie, Sophie et. Bon, c'est Sophie qui est quoi, quelque chose comme ça. Sandrine Gaël, bonjour. Buende, bonjour. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien dormi et que cette journée. Est une journée bénie pour vous, comme elle est pour moi. Nous rendons grâce à Jésus pour sa fidélité. Voilà, bonjour. Bonjour à tout le monde. Hassan Mohamed Hassan, bonjour. Israël, Israël, bonjour. Cabrel, Tendokmo, Tendokmo. Bonne arrivée, que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Père, nous te rendons grâce parce que tu es le maître des temps, des saisons et des circonstances. C'est toi qui as donné la sagesse au fils d'Isacchar pour discerner les temps et les saisons. Seigneur, nous te bénissons pour l'occasion que tu nous donnes encore ce matin de partager ce moment extraordinaire avec toi. Tu connais les problèmes de chacun connecté ce matin. Tu connais les raisons que chacun a à se connecter à cette page. Mais dans tous les cas, Seigneur, que la raison soit bonne ou mauvaise, je prie pour tout le monde, tous ceux qui ont des problèmes, qui trouvent une solution à travers ce moment exceptionnel que nous aurons à passer avec toi. Seigneur, prends contrôle et glorifie Jésus. Seigneur, je me soumets à toi. Saint-Esprit, prends contrôle. Conduis-nous dans toute la vérité. Sois notre enseignant, sois notre maître et montre-nous la voie que nous devons suivre. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, connectons-nous massivement, s'il vous plaît, parce qu'il y a une prophétie là qui est sortie. Bon, je pas voulu en parler. Bon, Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur. De revenir un peu sur les faits, sur ma mort cette année. On est même dans quel mois C'est le mois de juillet. Donc il paraît que je vais mourir cette année. Ah. Vous savez, il n'y a rien de plus doux que lorsque vous connaissez quand vous allez mourir. Beaucoup auraient souhaité connaître quand ils vont mourir, mais ils n'ont pas eu cette grâce. Mais le Seigneur m'a fait grâce, au moindre que je sois vermichot, de connaître que ça, c'est ma dernière année sur terre. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Euh, on va revenir là-dessus, parce que dans Thessaloniciens 5, verset 20, la Bible dit ne méprisez pas les prophéties. On va revenir là-dessus. Voilà, ce, ce soir, nous commençons le grand programme du côté de la bille. À partir de 17h ce soir, jeudi et vendredi, 17h, samedi, il n'y aura pas de rencontre pour préparer des familles pour dimanche. Et dimanche, par la grâce du Seigneur Jésus, nous serons à partir de 7h30 ici à Yaoundé. Donc Dieu te bénisse. Le programme commence aujourd'hui. Et pour le palais des congrès, il n'y aura pas le culte des familles au palais des congrès. Le culte familial aura lieu à la bille, à la base, en Kouaban. Quand vous arrivez en Kouaban, au Carrefour, prenez n'importe quel moto taximan là-bas, demandez-lui de vous amener tout simplement à la bire. La bire, la base internationale, REMA. C'est la base de notre ministère. Et donc, il vous conduira là-bas, par la grâce du Seigneur Jésus. Tout le monde connaît, à cause des choses merveilleuses et grandioses, grandiloquentes, que le Saint-Esprit opère au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Donc, je suis là, peut-être, ce sont mes adieux que je vous présente. Vous savez, il y a des prophètes qui ont prophétisé ma mort pour cette année 2000. 22. dont je compte. On en janvier, août, septembre, août, novembre. décembre, il reste 5 mois à vivre parmi vous. dont mes frères, vraiment, profitons à fond. 5 mois. Je rends grâce à Dieu pour la grâce qu'il m'a faite de pouvoir vivre encore 5 mois. dont, vraiment, vous pouvez présenter mes condoléances. On a encore au moins ces 5 mois qu'on va vivre. Et je compte profiter de ces 5 mois. Nous allons vivre des moments intenses dans sa présence. On va. Intensifier les moments dans sa présence, voilà. S'il vous plaît, donnez des cœurs, donnons des pouces bleus pour que la le direct puisse parvenir à un maximum de personnes, un maximum de personnes. Donc voilà. Donc c'est un futur mort qui vous parle. Mmh. Voilà. Euh... Connectons-nous, nous attendons toujours que nos bien-aimés se connectent avant qu'on entre dans le vif du sujet ce matin. Et je voudrais prier, hein, vous savez, lorsqu'on parle de prophétie, prophétéia, prophétéia, dans l'étymologie grecque, c'est prédire des choses. C'est ça, en fait, le mot prophétie. Vous savez, lorsqu'on est devant une personne, on lui dit, ta mère s'appelle comme ça, ton père s'appelle comme ça, telle année, tu as fait telle chose. En fait, ce n'est pas la prophétie. C'est pas la prophétie, ça fait partie de la prophétie, mais c'est le don de parole, de connaissance qui opère en ce moment. C'est pas le don de prophétie. Le don de prophétie a à voir avec la déclaration de la parole de l'éternel. ouais la déclaration de la parole de l'éternel. Ça peut être un jugement, ça peut être une récompense, ce qu'on appelle les prophéties messianiques, ça peut être la restauration, ça peut. Dans tous les cas, c'est toutes ces choses-là, mais qui vont dans la stratégie. De l'annonce des choses futures. Propheter, il y a, c'est dire une chose avant qu'elle arrive, C'est proclamer une chose avant qu'elle ne soit là. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le prophète connaît les événements avant que les événements n'arrivent. Maintenant, il y a quelque chose que j'ai eu à partager. Et je veux parler aujourd'hui à des grandes personnes. Vous êtes des grandes personnes. Parce que quand vous prophétisez à votre mort, vous devez prendre ça très au sérieux. Et je pense qu'il y a un autre prophète aussi qui avait prophétisé la mort du prophète Bouchiri Shefat. Et ça avait beaucoup chauffé sur les réseaux sociaux. Et moi aussi, il y a des gens qui ont prophétisé ma mort. Donc, on va revenir là-dessus. Lorsqu'on parle de prophétie, des prophètes, il faut, il faut bien comprendre ce que c'est que la différence entre le prophète et la prophétie. La prophétie, c'est le message. La prophétie, c'est le message euh, que donne le prophète. Et le prophète, c'est celui qui reçoit le message. C'est-à-dire, c'est le vase qui porte le message. Mais il faut comprendre une chose. <laughs> Il faut comprendre une chose, il faut comprendre que les prophètes ne fonctionnent pas avec la parole de Dieu. Les prophètes ne fonctionnent pas avec la parole de Dieu. Ils fonctionnent avec la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est plus grande et plus puissante que la parole de Dieu. Et je répète encore, le prophète ne fonctionne pas avec la parole de Dieu. Je parle des prophètes authentiques. Les prophètes authentiques ne fonctionnent pas. Avec la parole de Dieu. Prenez vos bics, hein, prenez les bics, les cahiers. Je vais vous expliquer des, des choses un peu profondes. Les prophètes ne fonctionnent pas avec la parole de Dieu. Ils fonctionnent avec la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu est plus grande que la parole de Dieu. Celui qui a la pensée de Dieu est plus grand que celui qui a la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je ne parle pas du Logos Logos et Geneto. la parole fut fait chair. Je ne parle pas du Logos Sarx. Non. Parce qu'il y a plusieurs logos. Je parle du Logos Grammatos. Je ne parle pas du Logos Sarx parce que le Logos Sarx en réalité, c'est Jésus-Christ. C'est le premier Logos. C'est-à-dire c'est la parole faite chair. En arche hen ologos, kai ologos prostanteon, kai hotéos hen ologos. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Parce qu'en français on dit, et la parole, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et non, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la et parole, non, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Non. En grec on dit, kai logos, en ologos, en, en arche en ologos, au commencement était la parole et la parole était inséparablement liée à dieu et, dit, et dieu était la parole et dit panta di auto egeneto kai egeneto en toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui existe en fait panta dit... auto egeneto kai ou des haines, ou des haines, ou des ça dit même pas la moindre chose n'a existé sans la parole cette parole ici c'est jésus christ ce n'est pas le logos grammatos qui est la parole ce n'est pas le logos grammatos c'est pas le remata le remata qui est aussi une parole de dieu hein? le remata qui est une parole de dieu quand j'entends souvent les gens écouter des prédicateurs et quand quelqu'un prêche on dit rema rema waouh révélation en réalité le Réma n'a rien à voir avec la révélation. Le Réma n'a rien à voir avec la révélation. Quand on dit, oh, révélation, Réma, révélation, Réma, révélation, c'est une grave erreur, en fait. La révélation, c'est apocalypseos en grec. C'est-à-dire, quand tu veux dire révélation, c'est apokalypseos, ça veut dire enlever le voile sur quelque chose qui était là, mais que personne ne voyait. C'est le principe de la taille Elroi. Maintenant, lorsqu'on parle. Du rhéma. Le rhéma, c'est quoi Après, enfin, le rhéma n'est pas une révélation. Le rhéma, c'est la parole que Dieu t'adresse directement. Ça veut dire au style direct et non pas au style indirect. C'est ça la différence entre le rhéma remata, le remata et le logos, le logos grammatos. Le logos grammatos, c'est quoi C'est la parole écrite. C'est ça le logos grammatos, c'est la parole écrite. C'est ce que Dieu dit, la parole dite de Dieu, hein? la parole parlée de Dieu. Tandis que le rhéma, c'est la parole dite de Dieu. C'est ce que Dieu te dit à toi sur l'instant. C'est le verbe de Dieu que tu reçois directement pour toi. Donc, je peux lire un passage de la Bible. Et pendant que je lis le passage de cette Bible-là, Dieu utilise le passage et il me parle. En ce temps-là, le logos grammatos devient un rémata pour moi. C'est-à-dire que ça devient un remat dans, dans, dans ma vie. Mais ce que je lis-là, ce n'est pas un remat en fait. Ce n'est pas un remat. c'est un logos grammatos. C'est-à-dire que c'est la lettre, c'est la parole écrite, la parole parlée de Dieu. Elle est différente de la parole dite. Qui est le rema. Lorsque un prophète dit ainsi parle l'Éternel, cette parole-là, on l'appelle en grec rema ou bien rema ta au pluriel. Ça veut dire que c'est la parole que Dieu t'adresse pour toi. Par rapport à une circonstance bien précise ou bien à une condition bien précise dans ta vie donc c'est la parole de Dieu pour toi. Donc lorsque je dis que celui qui a la pensée de Dieu est plus grand que celui qui a la parole de Dieu, il s'agit de la parole parlée de Dieu. Le « ainsi parle l'Éternel ». Voilà. Qui est différent de Christ en fait. Il faut faire la différence entre ces choses. Parce qu'il y a le logos grammatos, il y a le logos, le logos euh, sarx, il y a le logos euh, homologeo. Le logos homologeo. Et nous avons, euh, l'autre logos c'est quoi Mes étudiants sont où Donc le logos sarx, le logos grammatos, le logos homologeo. Voilà. L'autre logos, ça va revenir. Donc dans tous les cas, il faut comprendre la différence entre tous ces logos. Donc je parle du logos grammatos. Celui qui a la parole de Dieu est inférieur à celui qui a la pensée de Dieu. Donc les prophètes opèrent avec la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est lorsque la parole de Dieu est encore en chantier. Voyez, elle est en chantier. Et les prophètes, dont assistent Dieu dans le chantier de sa parole. Voilà pourquoi ils sont dans le secret de Dieu. Il dit, car le Seigneur l'éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Et il dit à Abraham, cacherai-je Abraham ce que j'ai l'intention de faire? Abraham est dans l'intention, mais l'autre et le reste seront dans la parole révélée. Seront dans la parole dite, dans la parole parlée. Donc ils seront dans le prophétique. Avant de dire, l'éternel détruira Sodome et Gomorre. Abraham était au courant, tandis que c'était encore une pensée dans l'esprit de Dieu. Hein? C'était une intention, Dieu avait encore l'intention. Il avait l'intention, il n'avait pas encore pris la décision. La parole, avant qu'elle ne soit dite, alors qu'elle était encore conçue en Dieu... Le prophète était l'assistant de Dieu dans le chantier de la parole parlée. Donc voilà pourquoi je dis que celui qui est dans le projet de Dieu est plus grand que celui qui est dans la parole de Dieu. Parce que c'est dans le projet de Dieu, dans le secret de Dieu que la parole de Dieu est préparée. Donc ça veut dire quoi Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrah, il réfléchissait d'abord. Dois-je détruire Sodome et Gomorrah Personne ne savait sur la terre. En dehors d'Abraham, c'était le seul homme sur la terre qu'il connaissait. C'était encore une intention. Ce n'était pas encore une parole. Alors, jusqu'à ce que Dieu confirme son intention, et prenne la décision, et mette le sceau à sa parole, alors il déclare Sodome et Gomorre seront détruits. Abraham est au courant. Lorsque la nouvelle arrive à Sodome et Gomorrhe, Abraham savait déjà, avant que cette parole ne, ne reçoive le saut divin, Abraham connaissait déjà lorsqu'elle était encore une intention dans l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi celui qui a la pensée de Dieu, c'est-à-dire qui assiste au conseil de Dieu, au secret de Dieu, est plus grand que celui qui reçoit le ainsi parle l'éternel. Voilà, donc je, je pense que les gens ont compris un peu ce que je voulais expliquer. Donc la prophétie, alors c'est un prophète qui va parler. Et il va expliquer, il va dire, ça c'est les gens qui m'ont écrit, hein, j'ai reçu des, des messages comme ça déjà, dans mon messenger, disant, donnant des révélations, des prophètes. D'autres sont venus me voir pour dire que Dieu leur a dit que je dois, je vais mourir en 2022. La Bible dit dans 2 Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas sur une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et dans 2 Pierre 1, 20, il le dit encore, « Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Dans ce qui concerne le mystère de la prophétie, il faut que les gens comprennent cela. Lorsque tu apportes une prophétie et que tu me donnes la prophétie, en tant que prophète, je suis un spécialiste des prophéties. On est spécialisé dedans. On est spécialisé dans la prophétie. Donc, quand je vois quelqu'un prophétiser, je sais déjà si elle vient de Dieu, la prophétie, ou si elle ne vient pas de Dieu. Lorsque quelqu'un dit ainsi par l'éternel, immédiatement, ça éveille toutes mes antennes prophétiques, tous les radars prophétiques sont éveillés. Tous mes satellites prophétiques sont repositionnés. Ça dit tourne du côté de la personne qui dit ainsi parle l'Éternel pour examiner en profondeur pour scanner et le prophète et la prophétie pour savoir si la chose qui est dite vient vraiment de l'Éternel. Lorsque vous êtes vrai, vous discernerez le vrai du faux. Lorsque vous êtes faux, il vous sera difficile de discerner le vrai du faux. Lorsque les gens demandent est-ce que ce prophète est vrai Est-ce que la prophétie c'est vrai Et -ce tu es troublé, que tu es à la croisée des chemins. Tu ne peux pas discerner si la prophétie est vraie ou pas. Mais sincèrement, ça veut dire que quelque chose ne va pas avec toi. Pas avec la prophétie ou avec le prophète que tu n'arrives à discerner s'il est vrai ou faux. Le problème, c'est toi-même d'abord. Donc la première tâche, le premier exercice qu'il faut faire, c'est de savoir si toi-même tu es vrai ou faux. Réponds d'abord à cette question. Est-ce que tu es un vrai chrétien ou un faux chrétien Est-ce que tu es un vrai homme de Dieu ou un faux homme de Dieu Tant que tu ne réponds pas à cette question, tu ne peux pas répondre à la question de l'authenticité ou de l'originalité d'une autre personne. Tu ne peux pas. Si tu ne connais pas qui tu es, ton identité à toi-même, tu ne connais pas ton appartenance spirituelle. Alors tu ne peux pas connaître l'appartenance spirituelle d'une autre personne. Donc pour répondre à la question, est-ce que ça c'est un vrai prophète? Est-ce que ça c'est une vraie prophétie? Il faut d'abord répondre à la question, est-ce que je suis un vrai chrétien ou je suis un vrai prophète moi-même? Est-ce que je suis un vrai homme de Dieu? Si tu ne peux pas connaître qui tu es, tu ne peux pas connaître si tu es vrai ou faux. Alors, automatiquement, ça veut dire que si on ne pas chez l'autre, c'est vrai ou faux. Parce que Jésus dit quoi? Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles reconnaissent ma voix. Mais elles ne suivent pas l'étranger, elle fuient de loin de lui parce qu'elles ne reconnaissent pas la voix de l'étranger. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une personne, pour connaître, pour discerner, il faut être converti toi-même de manière authentique et avoir une relation vraie avec Dieu. Ce sont pas les relations que les gens créent de toutes pièces aujourd'hui, un christianisme cin cinématographique. Je ne parle pas de ça. Je parle d'une conversion réelle, d'une personne qui parle avec Dieu, qui cause avec Dieu. Comme ce matin, ma prière, c'était quoi Je t'aime, Seigneur, je t'aime. Et je sentais un amour fracassant en moi. Vous voyez, vous êtes fou d'amour pour Jésus. Vous êtes amoureux dans tous les cas. Et je disais, Seigneur, je t'aime, je t'aime, oh Seigneur. Et mon âme était débordante de cet amour-là qui me pousse toujours vers l'avant et qui me fait régisser à toutes les montagnes qui se dressent devant moi. Je les écrase, je les méprise et je les minimise. Donc... Le problème, c'est que toi-même, tu dois d'abord t'établir dans la présence de Dieu. Ta conversion doit être totale, totale, totale. Je parle d'une conversion radicale et totale, une consécration radicale et totale. Mais si toi-même tu n'es pas vrai dans tes ra rapports avec Dieu, dans tous les cas, tout le monde sait. Hein? Si tu es vrai, tu sais. Si tu es faux, tu sais. Nous laissons, laissons de côté les bruits que nous avons souvent que non, tel est vrai, tel est faux. Oh, ça c'est faux de Dieu. Toi-même, tu es comment d'abord Mais je rends grâce à Dieu. Timothée 2, 2 Timothée 2, verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu demeure avec ses paroles qui servent de soi. Et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. Donc, Dieu, on peut pas tromper Dieu, on peut se tromper soi-même, on peut tromper les autres, mais on peut pas tromper Dieu. Tu peux tricher, tu peux penser tromper les gens, tu peux même tromper toute une génération, tu peux tromper tout le monde, mais tu ne te trompes pas, tu sais toi-même que tu te trompes. Et tu sais qu'on ne trompe pas Dieu. Un jour, un jour, chacun payera ce qu'il aura semé. Donc, vaut mieux être vrai. Et loyal dans ce que nous faisons, soit vrai. Arrêtons même de juger les gens parce que ça ne sert à rien. Le problème de ta vie devrait être est-ce que je serai sauvé après ma mort Est-ce que je verrai le Seigneur Jésus-Christ après ma mort C'est ça en fait. Moi, ma préoccupation c'est ça. À chaque fois que je prêche aux gens, je me represse à moi-même. Chaque fois je dors avec mes propres messages, je les réécoute et je parle à mon âme. Mon âme, ô oh mon âme, crains l'Éternel. Ô oh mon âme, crains l'Éternel. Ô oh mon âme. Quand l'éternel marche dans les voies, les, 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 les voies droites du Seigneur, ne te détourne ni à gauche ni à droite. Je prêche à mon âme. Je suis le prédicateur de ma vie. Parce qu'en réalité, tu es le pasteur. Le premier pasteur de ton âme, c'est toi-même d'abord. Ce n'est même pas Jésus. Le premier pasteur de ton âme, c'est toi. C'est toi qui as les clés de ta vie. Dis, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend mon en va ouvre. Donc tu peux décider, ouvrir ou bien fermer ta porte à l'évangile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui nous insultent, qui se moquent de nous, etc. C'est quand c'est mauvais sur eux, qui nous cherchent. Donc... Lorsque la prophétie est sortie que je vais mourir cette année, je n'ai pas pris ça à la légère. En tant que prophète, j'ai examiné. Comme la Bible dit, il faut examiner les prophéties pour savoir. Il faut connaître quelle est, quelle est la motivation qui a poussé le prophète à prophétiser. Et j'examine maintenant toutes les paroles que le Seigneur m'a données. Parce que je ne peux pas croire en ta prophétie plus qu'en ce que Dieu m'a dit. <laughs> C'est ça le problème. Et surtout que les choses que Dieu m'a dites, elles se sont accomplies. Dieu ne m'a jamais menti. Dieu ne m'a jamais trompé. Les choses que le Seigneur m'a annoncées depuis mon enfance jusqu'à cet âge, il a été fidèle. Lorsque je parle de Dieu, mes amis, je ne parle pas par comparaison à quelqu'un. Je ne parle pas euh, par euh, par orgueil. Je ne parle pas par imitation. Non. Le plus souvent, je parle de mes expériences. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, ça va d'expérience avec Dieu. Et quand je vois certains hommes de Dieu souvent faire des commentaires sur ma page, qu'ils parlent de l'évangile, ne nous parle pas de ta vie. Mais entre nous, l'évangile, c'est quoi? C'est pas la vie des gens. Comment vous êtes parfois bête jusqu'à ce niveau? Comment vous êtes bête jusqu'à ce niveau? Et ça me rappelle ce que Esaïe a dit. Dieu a dit par Esaïe, Esaïe 1, verset 3. dit il dit, l'âne connaît son possesseur et le bœuf, la cruche de son maître, mais Israël ne connaît rien. C'est-à-dire que Dieu dit que l'âne et le bœuf nous dépassent en connaissance. Comment tu peux venir dire à un homme de Dieu de ne plus rendre témoignage sur sa vie, sur les œuvres du Saint Esprit et de Jésus Christ dans sa vie, qui nous parle l'Évangile. L'Évangile c'est quoi C'est la vie de David, c'est la vie de Daniel, c'est la vie de Joseph, c'est la vie de Paul, c'est la vie de Matthieu, c'est la vie de toutes ces, toutes ces personnes-là. C'est leur vie, c'est leur témoignage, leur histoire avec Dieu, l'histoire de leur marche avec Dieu. Et moi, je pense que les gens tiennent ce genre de propos. Parce que leur marche avec Dieu est stérile. Dans tous les cas, ils ne marchent même pas avec Dieu. Ils savent avec qui ils marchent. C'est ça la réalité. Ils savent avec qui ils marchent. Parce qu'une vie qui marche avec Dieu est une vie de témoignage. C'est une vie de célébration. Donc, lorsqu'un prophète prophétise quelque chose comme cela, disant que non, le Seigneur nous a révélé que vous allez mourir cette année. L'année si Dieu va te frapper. Il y a des gens que pour eux, vraiment, dès que tu commences à briller, il faut que Dieu te frappe. Dès que tu commences à marquer ta génération, il faut que Dieu te frappe. Et ça, je comprends. La pauvreté nous a fait beaucoup de mal. Je comprends cela. Sincèrement. Je n'ai rien contre ces personnes. Mais on va vivre ensemble. 2022 va passer et puis on va se retrouver en 2023. C'est là que vous allez commencer à réfléchir. Que c'est pas tout ce que vous entendez dans votre esprit. Que va dire, va dire, parle, parle, parle. Ou tout ainsi parle l'éternel qui est de Dieu. Même des païens. Comme Montaigne, le philosophe Montaigne, a dit à partir du moment où les hommes se sont avisés de faire parler Dieu. Chacun l'a fait parler à sa manière. C'est ce que Montaigne a dit. Donc ce n'est pas la toute voix que tu entends n'est pas de Dieu. Il faut examiner les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc lorsque quelqu'un commence à marquer déjà sa génération, dès que vous atteignez c'est un rubicon spirituel dans votre génération, dans l'Église, hein, c'est dans l'Église que j'ai vu cela. Il y aura des prophéties sur vous. Mais ce qui me dérange c'est quoi? Ce pas qu'on prophétise que je vais mourir en 2022. Moi, je n'ai aucun problème. Il faut mourir, même maintenant, je vais donner juste des ordres à ma maison. J'écris rapidement mon testament et puis je mets l'ordre là et je pars. Parce que la mort m'est un gain. C'est les faux chrétiens qui ont peur de mourir. C'est ceux qui mènent une vie douteuse qui ont peur de mourir. Mais lorsque tu sais que ta relation avec Dieu, tu la traverses jour après jour, la mort est un gain, c'est une récompense pour toi, c'est un repos. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Je pense même tous ces prophètes contre ma violation. Si Jésus vient maintenant et dit qu'on va partir là. Ce sont eux qui vont paniquer. C'est pas moi en fait. Pourquoi Parce que les gens ne comprennent pas quelle est l'action de Dieu dans nos vies. Donc le problème n'est pas la prophétie. Moi, c'est dans l'église pentecôtiste. Dans la maison de Dieu que j'ai vu ces âneries. C'est dans la maison de Dieu que je vois ce genre de bêtises. Des prophéties à gauche, des prophéties à droite. Et il n'y a pas un milieu où les prophéties fusent de toutes parts. Comme dans l'église. Et surtout dans les églises dites de réveil. Les églises pentecôtistes. Le mariage, c'est la prophétie. Porter la Bible, il faut la prophétie. Aller à l'église, il faut la prophétie. Ouvrir ta Bible, il faut la prophétie. Non, mes amis. Il faut comprendre une chose. Il faut faire attention. Donc, lorsque tu prophétises dans ma vie, ne te fâche pas. Je vais examiner ta prophétie. Parce que moi aussi, je suis prophète. Je retourne donc dans le livre de mes prophéties. Je vois qu'est-ce que Dieu m'a dit par rapport à ma mort. Parce que moi, Dieu m'a parlé sur toute ma vie. Je connais ma vie et je peux connaître en quelle année il faut même que je calcule. Je connais à peu près quand je veux mourir. Ça, je le sais. Parce que le Seigneur me l'a révélé deux fois. Je sais quand je veux mourir. Donc, si tu apportes une prophétie, je vais aller dans le catalogue du livre de ma prophétie pour regarder. Est-ce que ce que, que Dieu m'a dit par rapport à ce que tu dis là, ça coïncide Si ça ne coïncide pas, alors je sais que cette prophétie ne vient pas de Dieu. Dans tous les cas, je sais que c'est la haine en toi. La haine de voir que Dieu est en train de m'utiliser, de m'amener à un certain niveau, qui fait en sorte que non, il faut que tu me... Moi, j'ai vécu des choses. Il y a des prophètes, un jour, il y a des jeunes prophètes qui sont venus. Ils sont venus plusieurs fois me voir. Et je parle, vous êtes en direct. Et j'ai dit, au lieu de m'écrire sur mes messengers, écrire sur les réseaux sociaux, venez me voir. Venez me rencontrer en direct. Soyez des hommes, soyez courageux. N'écris pas. Viens me voir. Vous connaissez mes programmes. Viens à l'église, on va parler face à face. C'est la réalité. Il y a certains jeunes qui sont venus à l'église. Je me souviens à Ebogo d'abord. Ils étaient venus et ils ont prophétisé. Ils ont dit qu'ils ont un message de Dieu pour moi. J'ai dit, OK, quel est le message Parlez, ils ne parlent pas. Je leur ai dit, faites vite. J'étais en train d'entrer dans ma voiture. Quel est ce message que vous avez pour moi et On a un message pour vous. Vous êtes en train de détourner le peuple de Dieu. Vous, êtes, vous allez mourir. Vous allez mourir. 2022, vous ne pouvez pas traverser 2022. J'ai dit ok. Et Dieu a encore dit quoi? Si quelqu'un dit que Dieu a dit mon ami, tu t'arrêtes. J'ai le protocole, attendez. Maintenant le gars ne parle plus. Je continue donc j'entre dans ma voiture. que, Écoutez, lorsque quelqu'un me dit ainsi parle l'Éternel, homme de Dieu, je viens de la part de Dieu, je vais m'arrêter. Même si tu es qui, je vais m'arrêter pour écouter. Parce que la parole. Quand on dit on dit dans, au nom de l'Éternel des armées, je crains le nom de l'Éternel, je tremble devant le nom de mon Dieu. Et donc il n'a plus parlé. Je suis entré dans ma voiture. Quand je prends la voiture, on sort de l'église, on arrive sur le goudron. On est en train d'accélérer. Je vous dis la vérité, devant le Seigneur. Le jeune homme est allé s'arrêter au milieu du goudron. Il a fait les mains comme ça, devant la voiture. À moins un, on le connaît. C'est de justesse qu'on ne l'a pas cogné. Il est sorti de nulle part. Il s'est mis en route. J'ai dit, attention. Est-ce que ça, c'est encore l'esprit de Jésus Est-ce que ce n'est pas un esprit de suicide par hasard est-ce que l'esprit de Christ peut amener un prophète à faire ce genre de folie Mais ça ne s'est pas arrêté là. Chaque fois, il venait camper à mon bureau, barrer la voie, que je ne dois pas entrer au bureau, parce que l'Éternel leur a dit que je vais mourir. Il dit, mais attendez, mes amis. Même si l'Éternel a dit que je vais mourir, et ça avait la guerre, si vous avez besoin de faire la guerre, hein? faisons ça dans la paix. Prophétisez ma mort. Mais, quand même, en respectant une certaine déontologie de la prophétie, comment Dieu a dit qu'il va mourir Vous me brutalisez encore. Est-ce que c'est gentil de brutaliser quelqu'un qui, qui va mourir. S'il vous plaît, envoie les cœurs. Les pouces bleus. Il y a les gens qui signent la vidéo aussi. Envoie les cœurs, s'il te plaît. Écoute-moi, envoie les cœurs. Quelqu'un va déjà mourir. Vous avez déjà préparé sa tombe. C'est celui-là qui avaient déjà creusé ma tombe. Vous avez même fabriqué le cercueil. Je ne sais pas si la taille de mon pied sera dehors. Ou les bras seront dehors parce que le cercueil ne me suffira pas. Oui, il sera sur mesure. Quelqu'un est en train de digérer encore le fait qu'il va mourir. Vous, vous le brutalisez comment Pourquoi brutalité, frère Pourquoi vous êtes très brutaux comme ça Et les gars, ils ont investi les lieux. J'ai appelé la police. J'ai dit qu'on oh, me brutalise. Il y a des prophètes ici qui me brutalisent. Pourtant, je vais mourir bientôt. Et donc, la police est venue. Quand les gars ont vu les policiers, ils ont sauté du balcon. Les babouilles, l'autre, se sont même coupés. ça a regardé derrière, j'ai dit, m'attendre. Mais, mais un vrai prophète, pour la parole de Dieu, tu peux aller en prison comme Jérémie, et ça, tu vas te sauver. La police vient, on t'arrête, tu vas dire, si par l'éternel, tu mourras 2022, tu vas mourir, 2022, tu vas mourir. C'est comme ça que nous, on connaît. Moi, si je prophétise, et on, la police veut m'arrêter, le gouvernement m'arrête. Je vais leur dire, repentez vous faites ce que je vous ai dit là. Vous m'envoyez en prison, ça ne va rien changer. Ne me prenez pas comme votre ennemi. Vous m'envoyez en prison, j'irai en prison. De la prison, je veux prophétiser là-bas. Ainsi parle l'éternel, ainsi parle l'éternel. C'est ça les caractéristiques d'un vrai prophète en réalité. Voyez. Donc, moi je pense que les gens doivent comprendre. Ce n'est pas tout ce que tu entends qui vient de Dieu. Alors j'étais à Boya pour une grande conférence la jeunesse. Et il y a un jeune homme qui était... Il y a deux jeunes frères qui étaient à côté. Et l'un rendait témoignage du Saint-Esprit qu'il portait. Voyez. Donc... Et, et, donc, s'il vous plaît, mettons les cœur et les pouces bleus. Et il disait à son frère que vraiment, je me méfie de mon Saint-Esprit. Mon Saint-Esprit est très dangereux. Et laissez-moi vous dire une chose. La plupart des gens qui disent être baptisés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas l'Esprit de Christ. Je suis désolé, mais je vous dis la vérité. Beaucoup n'ont pas l'Esprit de Christ. Beaucoup parlent en langue la médecine, en langue qui vient de l'Esprit de Jésus. D'autres sont possédés par des démons. D'autres, c'est l'Esprit de divination, comme vous le dites. Donc, il dit qu'il se méfie de son Saint-Esprit. Et là, moi, la conversation m'intéresse. Je suis intéressé par tout ce qui est extraordinaire. Et je me rapproche un peu de lui. Je dis, frère, tu dis quoi? Il dit, il se méfie de son Saint-Esprit. Il dit, waouh. Comment tu te méfies de ton Saint-Esprit Il dit, ah, tu ne savais pas. Mon Saint-Esprit est très dangereux. Et je lui demande comment ton Saint-Esprit est dangereux. Il dit, non, frère bro, parfois quand je traverse le goudron et il y a un camion qui est en train de venir, mon Saint-Esprit me dit de me coucher pour que le camion vienne me masser le dos. Et j'ai dit à mon Saint-Esprit que non, sur le camion sur moi, je veux mourir. Et il me rassure que non, non, tu ne vas pas mourir. Il va juste redresser un peu ta colonne vertébrale. Et moi, j'ai dit à mon Saint-Esprit que non, 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 non je n'ai pas confiance en toi, non, non, tu veux que tu veux me tuer. Et il dit que quand il traverse la route, son Saint-Esprit va toujours le pousser sous les voitures. Et donc il est obligé d'embrasser le poteau électrique quand la voiture vient. De peur que son Saint-Esprit ne l'envoie sous la roue de la voiture et qu'il ne meure. Mais mes amis, beaucoup de gens vivent ça dans nos églises aujourd'hui. Beaucoup de gens sont maltraités par des esprits malins, mais ils sont convaincus que c'est Dieu qui leur parle. Essaye de lui dire que ce n'est pas Dieu. Mais mon habitude deviendrait son ennemi. J'ai connu une maman qui était mariée. Elle était heureuse dans son foyer. Je lui rends visite un jour. Et elle dit que le Saint-Esprit lui a dit d'abandonner la chambre de son mari, d'aller dormir au salon pendant un mois et de ne pas avoir de rapport sexuel avec son mari. J'ai dit, ah, j'ai dit maman. Ça, c'est pas l'esprit de Dieu. Elle m'a pris comme son ennemi. Je suis parti. Une autre fois, je reviens. Je trouve qu'elle n'a pas préparé pour son mari. Je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elle dit que son Saint-Esprit lui a demandé de ne pas préparer pour son mari pendant un mois. Son mari était non-croyant. Et je lui ai dit, cache. Je lui ai dit, maman, tu vas perdre ton mariage. Parce que cet esprit, c'est pas l'esprit de Christ. L'esprit de Christ enseigne à la femme d'être soumise à son mari. D'aimer son mari. Oh là là. De choyer son mari. De chouchouter. Son mari, il ne divise pas, il unit. Je le dis, ça, n'est pas l'esprit de Dieu. Cet esprit va te pousser au divorce. Et la prophétie s'est accomplie. L'homme, après, il a découvert que la femme était devenue bizarre et il a demandé au divorce et ils se sont séparés jusqu'à aujourd'hui. Donc, il faut que nous fassions attention. Et j'ai reçu des messages comme cela, des prophéties comme cela, tellement, tellement de prophéties sur la mort, sur la destruction du ministère, etc., etc. Moi, je pense que nous devons comprendre une chose. Un jour j'étais dans une boulangerie et dans cette boulangerie-là, j'ai reçu, il y a un homme de Dieu que j'ai vu. Cet homme de Dieu, à l'époque, dans les moments difficiles de ma vie, j'allais chez lui, on causait pendant une heure, deux heures, trois heures. Je vendais les CD sur l'islamologie. Et donc il me promettait tellement de choses. Je vais t'acheter des ordinateurs pour des documentaires. Je te donnerai l'argent. J'ai eu une affaire comme ça. Quand ça va sortir, je te donnerais des millions. Toutes les nuits, j'avais des cauchemars, je me voyais avec les millions. Il ne m'a jamais donné cet argent. Et après ces choses, on s'est séparés. Ma saison est arrivée. Je déclare que ta saison arrive au nom souverain de Jésus. Je déclare que cette saison est ta saison, dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Aucun homme n'arrêtera ta saison dans le nom souverain de Jésus. Quand ma saison de visitation est arrivée, elle était plus grande que la sienne. Il a commencé à me voir à la télé, à voir les choses que le Seigneur faisait, à voir les grandes choses que l'esprit de Christ accomplissait pour la gloire de Jésus. Et un jour, se croisé dans une boulangerie. Quand on se croise dans la boulangerie, il me dit vraiment, euh, frère, Dieu n'est pas content de toi. Et je lui ai demandé, ok, d'accord, euh, en quoi est-ce qu'il n'est pas content de moi Il me dit que toi-même tu sais. Je lui ai dit que je ne sais rien. Il dit, tu sais. J'ai je dit, je ne sais rien. Dis-moi. Dieu t'a dit qu'il est fâché de moi. Pourquoi Il dit, Dieu n'est pas content de toi. Je lui ai dit, pourquoi alors Et il me dit que Dieu n'est pas content pour, de toi parce que tu as abandonné la vérité, le droit chemin sur lequel il t'avait mis. J'ai dit, kaya ah, je lui dit pardon. Il dit que oui, Dieu m'a dit qu'il n'est pas content de toi parce que tu as abandonné le chemin sur lequel il t'avait mis. Je lui ai dit Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'avait mis dans quel chemin Je J'ai une question. Il m'a dit Vas-y. Je lui ai demandé Dieu m'a appelé. Quand Dieu t'a dit ça, il t'a dit qu'il m'appelait en quelle année Quand il m'appelait, c'était où Est-ce que tu peux me rappeler la ville Est-ce que tu peux me rappeler la vision qu'il m'avait montrée le jour où il m'appelait Est-ce que tu peux me dire le message qu'il m'avait dit de prêcher et que tu peux me rappeler le chemin sur lequel il m'a dit de marcher, que j'ai abandonné, et le nouveau chemin sur lequel je marche. Mes amis, la prophétie, ce n'est pas les bêtises que les gens font dans les églises aujourd'hui. Ton grand-père est un sorcier. Ton oncle est un sorcier. Ta grand-mère est une sorcière. Non! Si on te dit que ton oncle est un sorcier, demande au prophète, mon oncle s'appelle comment? Il est né en quelle année? C'est ça le problème, c'est ça la vraie prophétie. Tout le monde peut dire que ton oncle est monté ou bien ta tante est montée ou bien ton père a fait ceci ou bien ta soeur a fait ceci. Un vrai prophète vient avec des informations complètes. Tu es convaincu toi-même que c'est Dieu. Il te parle des choses que tu n'as jamais dites à personne. Des choses que tu sais qu'on ne peut pas trouver sur Facebook. Des choses qu'on ne peut pas trouver dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas les prophéties Facebookées d'aujourd'hui que beaucoup de gens font. Non, on parle des prophéties originales et authentiques. Dieu n'a pas changé. Dieu parle encore aujourd'hui aux gens. Je lui ai dit, ok, en quelle année Dieu m'a-t-il appelé? Où est-ce que Dieu m'a apparu? Dis-moi où Dieu m'a appelé. Il dit qu'il ne connaît pas. Je lui ai dit ok, tu ne connais pas, hein, Mais tu connais seulement que j'ai abandonné le, le vrai chemin. Et Je suis sur le faux chemin. Le vrai chemin, là, c'est quoi? Dis-moi donc quel message Dieu m'avait donné. Le jour il m'a appelé. Quel le message qu'il m'a donné? Qu que j'ai abandonné? Il dit, non, non, Dieu m'a pas dit ça. Je lui ai dit, écoute, frère, toi, tu es mal placé pour me faire ce genre de reproche. Toi, tu te souviens que tu as enseigné une soeur. T'as-tu enceinté une fille? Et la fille même était mourante parce qu'elle avait le VIH. Elle est venue chez moi paralysée à cause du VIH. C'est moi qui ai prié pour elle, pour qu'elle puisse marcher. De nous deux, qui doit conseiller l'autre? Tu viens, tu me fais des reproches, que j'ai abandonné, que Dieu n'est pas content de moi. C'est toi, Dieu est content. Dieu applaudit chez toi. Bravo. Pourquoi vous êtes hypocrite jusqu'à ce point? Tu ne vois pas la paille qui est dans ton œil, la poutre qui est dans ton œil jusqu'à ton œil. Et me dit, on oh, ne sait pas, ça ressemble à quoi ou? Oh? Et c'est Kiriko avec des gros yeux c'est pas trop. Ton, ton oeil c'est déformé, ça sort de l'orbite. Tu viens raconter des anneries à ton frère. Parce que tu pensais que je vais mourir vendeur de CD. Parce que vous êtes dérangé. Que Quelqu'un qui vous était soumis, que vous aimiez toujours voir comme votre serpillière, qui venait supplier dans vos églises pour avoir cinq minutes pour parler. Les cinq minutes même, d'autres me faisaient le temps comme ça, que le temps de temps. Finalement, ça t'embrouille même. Finalement, tu ne dis même rien. Tu ne vends pas de CD. Tu sors de l'église comme ça, mais là j'ai un taxi. Tu n'as pas. Je me souviens d'un homme de Dieu, je suis allé vendre mes CD dans son église. Le gars m'a d'abord frappé dans son bureau, il m'a dit, ah non, non, dans mon église, on va acheter tous les CD, c'est fini. Donne-moi ma part, d'abord, mais Tu dis, c'est combien J'ai dit 1000 francs. Il a donné sa part de CD. Maintenant, après le culte, il ne me donne même pas l'opportunité de parler. Quand j'ai même l'occasion de parler, c'est quelques secondes. À la fin du culte, je me tiens à la porte de son église, j'ai le CD sur l'islamologie. Jésus-Christ exalté dans le Coran. Personne n'a acheté. Personne n'a acheté un seul CD. Personne. Personne n'a acheté un seul CD. Les gens me disaient que ah, l'homme déjà tout pris. On a, on a sémé tout à l'église. Ouais, c'est puissant, hein. Si tu étais là, la semaine il y a deux semaines, on aurait acheté. Donc, mais aujourd'hui, ces gens ne peuvent pas accepter que moi, qui étais le vendeur de CD dans leurs églises, je puisse diriger un ministère qui puisse avoir une voix rétentissante dans ma nation et au-delà des limites de ma nation. Mes amis, c'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Il le fait. C'est Dieu. Tu ne peux pas en vouloir à quelqu'un parce que Dieu lui parle et tout cela. Et vous devez aussi comprendre une chose dans l'église. Ce n'est pas parce que je ne fais pas comme toi que je ne suis pas ton frère. Je parle à tous les bien-aimés qui donnent des prophéties contre moi. Je ne veux même pas dire ici que ça va retourner sur toi. Enfin, je veux pas que tu pisses sur toi. Je sais que vous êtes en train de me suivre. Parce que si j'ai dit une chose, ça va arriver. Ça c'est clair. Dieu m'a fait ses promesses. Il m'a dit en vision, voici le signe par lequel tu reconnaîtras, que moi, l'éternel ton Dieu, je verrai sur toute la parole que j'ai prononcée à ton égard pour les écritures. Mes amis, je porte sur moi la jalousie de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à tous les chrétiens, connais-toi toi-même. Connais qui tu es. Connais ta valeur. Connais quel est ton Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu. Quel est l'amour que Dieu te porte. Ne te laisse pas distraire. Par contre, vous pensez que moi, prophète, Ferdinand canet, tu peux me troubler avec la prophétie. You are mad. Yamad, ça veut dire que tu as froid. Vous ne pas l'anglais. Tu me trouves avec la prophétie parce que vous allez... Dire, beaucoup de gens ont fait ça avant vous, mes amis. J'ai reçu des prophètes qui m'ont dit, deux semaines, ta prophétie, ton église va tomber. Deux semaines. Il y a un certain Atangara, c'est Atangana Ngoa, c'est Ngoa Atangana ou c'est Tonkoa. Celui dont le ministère est dirigé par les démons, là. Il avait prophétisé qu'on me donne un mois. En un mois, mon ministère va tomber. Un mois. Après, qu'est-ce qui s'est passé on a fermé son église, il était fugitif. Et jusqu'à aujourd'hui, à partir du jour où il a fait cette déclaration contre ma personne, jusqu'à aujourd'hui, il en paye le prix. Pourquoi Parce qu'on ne combat pas celui que Dieu a choisi. Vous allez comprendre ça quand Ne combat pas celui qui ne t'a pas combattu. Je ne vous combattrai jamais. Ça, jamais, je pas le temps pour ça. Quand tu me combats là, je suis en train de prendre mon assiette de fruits. Tu me combats, on me fait une salade de fruits. Je suis en train de consommer ça. La Bible dit, L'éternel combattra pour vous et vous allez vous reposer. Lorsque vous quelqu'un combattre ses combats, c'est qu'il n'a pas de défenseur. Mais ceux qui ont des défenseurs, ceux qui sont défendus par l'éternel des armées, ils ne combattent plus. C'est-à-dire que le gars, Taharisson, veut dire en hébreu, Allez-vous reposer. Le gars est en train de manger, là, Dieu combat ses combats. Il dit, Car l'éternel combattait pour Israël. C'est ça que les gens vont comprendre. Mon ami, je ne veux pas mourir. I will not die. I will stay with you. On va rester ensemble. Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. On, on va vivre ici au Cameroun. Ça va se serrer ensemble. J'avais dit que Dieu m'a dit que je vais aller en Ouganda. Les gens commencent à dire non. Vraiment, j'ai vu une prophétie. Les gens commencent à donner une prophétie qui y a une étoile, une grosse étoile qui va s'éteindre. Alors les petites étoiles vont aussi monter pour commencer à briller. Il y a un soleil qui va s'éteindre. D'autres soleils vont commencer à briller. Attends mon ami. Donc c'est moi qui t'empêche de briller. Je t'empêche de briller. Tu penses que si ma présence t'empêche de briller, c'est mon absence qui te fera briller. Comment vous êtes parfois bloqué dans vos têtes Jusqu'à ce point. Jusqu'à tu crois qu'un homme peut bloquer ta destinée, mon ami. Même si tu es un comment tu es qu'un homme de Dieu, je crois en ma destinée. La destinée de quelqu'un n'annule pas ma destinée. Ton notion n'annule pas mon notion. Ton alliance n'annule pas mon alliance. Ton alliance a son essence et sa provision. Mon alliance a son essence et sa provision. Même si tu es un homme de Dieu, tu craches le feu. Je m'en fous. C'est-à-dire, je m'en fous éperdument, parce que Dieu qui nourrit ton alliance nourrit aussi mon alliance. L'alliance de quelqu'un ne peut pas éteindre l'alliance d'une autre personne. Restez toujours à penser que. Non, parce que le prophète a fait dire oh, au Cameroun, c'est pour ça qu'on ne brille pas. Même quand je ne serai pas là, tu vas l'autre t'éteindre. Peut-être même comme je suis là, il y a quand même quelques lueurs, <coughs> quelques étincelles eh, sur ta bougie, quand même des étincelles qui ne mettent pas l'eau. Donc si elle alors c'est foutu. Ta bougie va aller être plongée dans l'eau. Donc, il faut que les gens cessent de penser que le succès des autres est à l'origine de leur échec. Quel nom il fait ombrage. Quelle ombrage On t'a dit que j'ai l'ombre d'abord. Tu as vu l'ombre là-haut Oh, on me fait ombrage. Non, mes amis. Ce que Dieu a dit dans ta vie va arriver. La Bible dit quoi dans Jean 19, verset 22 Apocrypte O gegrapha gegrapha. Et Pilate leur répondit, c'est que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Mais, bien aimé, c'est que tu crois en ce que Dieu t'a dit. Ne te laisse pas influencer par le succès de quelqu'un d'autre. Moi, je pensais que quand le prophète Jérôme Francis Tateu arrivé au Cameroun, les gens ont vu. Écoutez, hein. Chaque serviteur de Dieu est unique. Comparé par les hommes de Dieu. Chacun est unique. Quand le prophète Joël arrive au Cameroun, il arrive avec quelque chose d'unique. Il a quelque chose d'unique. Et j'ai quelque chose d'unique. Et cet esprit de complémentarité est le symbole même de la grandeur. Mais quand les hommes de Dieu pensent que non, je veux pas que quelqu'un d'autre vienne prendre la vedette, je veux tout bloquer, je veux bloquer à gauche, je veux bloquer à droite, vraiment, Dieu utilisera quelqu'un d'autre pour atteindre ses objectifs. Personne ne peut empêcher Dieu. D'accomplir sa volonté. Il dit de même que la pluie ne peut tomber sans avoir fait germer la plante du sol. De même, la parole qui sort de ma bouche ne peut revenir à moi sans avoir accompli avec succès mes desseins. Un homme ne bloque pas les desseins de Dieu. On ne peut pas. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, soit plutôt honoré que Dieu passe par toi pour accomplir ses desseins. Lorsque le prophète Joël est arrivé au Cameroun, nous avons causé longtemps avec lui, avec son épouse, après qu'il soit parti. On a causé longtemps. Il m'a dit ceci. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai été défié par toi. J'ai été défié. J'ai été défié. J'ai appris beaucoup du prophète Joël Francis Tatou. Il a aussi appris beaucoup de moi. En fait, c'est ça le problème des hommes de Dieu aujourd'hui. La complémentarité. C'est-à-dire, on peut servir Dieu sans aucun complexe. Chacun est grand dans son domaine. Si tu es fort en mathématiques, l'autre est fort en histoire. Si tu es fort en géographie, l'autre est fort en éducation civique. Donc chacun a son champ de prédilection. Maintenant, il faut compléter. Il faut compléter. On ne combat pas les grâces. On les met ensemble pour devenir plus puissants. Lorsqu'on a fait le programme ensemble, ça a eu une connotation forte. Ça a eu une connotation redoutable. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai appris de toi dans beaucoup de choses, dans le ministère. Je veux revoir beaucoup de choses dans mon ministère. Moi aussi, je l'ai dit, j'ai aussi appris beaucoup de toi dans mon ministère. Et c'est la vérité. Si vous regardez mes photos maintenant, j'ai interdit. J'ai interdit. Les photos en disant, j'ai engagé un photographe professionnel. Mais si ça coûte combien, je vais payer. Pourquoi Pour, Parce que j'ai vu mon frère, j'ai vu l'excellence dans son ministère. Et il m'a dit, j'ai vu le protocole, j'ai vu l'ordre dans ton ministère, j'ai vu la grâce des foules dans ton ministère, j'ai vu l'autorité spirituelle, il m'a dit, frère, mon frère, tu es un général, je lui ai dit, que toi tu es un maréchal. Pourquoi Parce qu'en en fait, vous devez comprendre une chose, dans le ministère, on doit, la complémentarité, c'est important. Nul n'est parfait. Je répète encore, nul n'est parfait. C'est cet amour de Christ qui peut mettre en nous la tolérance et la compréhension mutuelle. Vraiment, quelqu'un peut être ouin, mais il a des hommes qui ne comprennent pas, qui ne saisissent pas. Parce que Dieu ne révèle pas tout à un seul homme. C'est pas possible. Voilà ce que l'apôtre Paul a déclaré. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Il y a toujours quelque chose qui échappe à l'autre. C'est pour cela que Dieu met certaines personnes ensemble. Quand Dieu nous met ensemble, c'est pour que ce que tu ne vois pas et que je vois, je puisse compléter ça en toi. Et ce que je ne vois pas sur moi et que toi tu vois, tu puisses compléter cela. Donc tu peux être avec ton frère. Quand Dieu te met à côté de quelqu'un, c'est pour accomplir une mission dans la vie de la personne et la personne doit aussi accomplir une mission dans ta vie. Donc il faut voir cela. Il faut pas voir les frères comme un danger. Il faut pas voir dans les frères un danger. Non. Il faut voir dans les frères des associés pour accomplir la volonté de Dieu. Je prie que cette mentalité d'humilité, de complémentarité, soit notre partage. C'est les complexe. C'est lorsque tu vas être le plus grand, tu vas être le plus puissant, tu vas être le plus connu. En ce temps-là, tu ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de s'exprimer. Tu ne peux pas donner ta plateforme à quelqu'un d'autre. C'est ça la réalité. Pourquoi Parce que tu vas être le plus grand. En fait, c'est ce pas une histoire d'être le plus grand. C'est Jésus qui doit être le plus grand. Moi, je dois être effacé. Que Christ soit connu, que Christ soit glorifié, que son œuvre soit accomplie. Pour le reste, la Bible dit si quelqu'un est d'un autre avis. Christ l'éclairera. C'est pas à moi de te convaincre sur quoi que ce soit. Donc, mes amis, chers prophètes de ma mort, I will not die. Je ne meurs pas. Je refuse la mort là. Je ne veux pas retourner sur vous, hein. Vous Vous n'allez pas mourir. Parce que si vous mourrez, vous n'allez pas me voir en 2023. Qui va encore acclamer? Qui va réfléchir? Qui va pleurer en 2023? Je vous annonce. On va vivre en ça au Cameroun. Je ne meurs pas. Même le voyage au l'Ouganda, là, je pas plus. On va rester ici au Cameroun ensemble. Donc, vous pensez qu'en partant du Cameroun, alors, je vais dégager le terrain. Alors, vous serez libre. C'est ce que vous attendez. Vous priez pour ça. Vous gênez pour ça. Dieu ne va pas exaucer la prière là. We will die for you. We will die together. We stay. On va rester ensemble. I will not die. Je ne pas. J'ai encore des choses à accomplir. Je vais les accomplir. Je les accomplir ensemble. Vous serez obligé de m'accompagner dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Dans ma vie, ce que Dieu a dit sur moi, je le connais. Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'informe sur quoi que ce soit. Je n'en ai pas du tout besoin. Je connais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais où je suis. Je sais où je vais. Je ne suis pas un homme sans repère. Voilà pourquoi les actes, la haine, les calomnies, les conspirations, les coups bas, je m'en tape. Est-ce que c'est même sérieux quand on dit je m'en tape là? Est-ce que c'est gentil? Je m'en tape. Non, non, j'ai dit juste que je m'en tape. <laughs> Et si ce n'est pas vergogneux, je m'en excuse. <laughs> Donc, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que tu peux dire tout, les, les jalousies, tu proclames. Je m'en tape, ah, et pas ça, je m'en tape. Restez vos oreilles, s'il vous plaît. C'est ça les aléas du live. non, bon, ça va, je ne m'en tape pas alors. les calomnies, tu peux me voilà, oui, Je m'en fous. C'est ton énergie que tu dépenses. C'est ta santé que tu dépenses. C'est ton argent que tu dépenses pour aller calomnier, raconter les choses sur moi. À gauche ou à droite, vraiment, moi. Je m'en fous, je m'en tape pas, je ne tape plus rien. Mais je m'en fous. C'est que, c'est que je veux dire, c'est quoi? C'est que, je suis pas le genre de personne qu'on influence. Avec les paroles, avec des, des paroles intimidantes, avec des prophéties. On sait, si je sur celui qui va mourir, il va, je pas mourir. I will not die. Je sais quand je vais mourir, je connais, Dieu m'a déjà révélé. Peut-être c'est même toi qui ne connais pas quand tu vas mourir. Je pensais hein, qu'on va se voir, je vais te dire quand tu vas mourir, je vais t'aider à connaître la date de ta mort. Donc mes amis, restons focalisés, évitons la distraction, Restez focalisés. Vous savez, lorsque quelqu'un dit du mal de vous, quand on parle de la prophétie, ce que je voulais dire au début au début, et que j'ai m'ai oublié c'est quoi C'est que la prophétie ce n'est pas seulement ainsi parler l'éternel mes amis. Non, c'est pas seulement ainsi parler l'éternel. Si quelqu'un te dit que tu vas mourir, même si ce pas Dieu qui a dit, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Fais attention. Retourne ça sur la personne. Même si quelqu'un te maudit en riant en blague, tu ne te marieras jamais. Blague aussi, je retourne ça sur toi cette fois au nom de Jésus. Vous blaguez. Tu retournes ça aussi en blague. Quelqu'un te maudit en blagant, riposte aussi en blague. Au nom de Jésus, Nazareth. Quelqu'un dit, tu vas mourir. En 2022, tu il je vais vous lui aussi. Ah! Ah! Je vais assister à des 2022. je mourrai pour le nom de Jésus. C'est tout. Mais je ne veux pas faire ça. Parce que je connais le poids de mes paroles devant l'Éternel. Que Dieu vous pardonne votre jalousie. Que Dieu vous pardonne. Parce que vous n'avez pas encore compris certaines choses dans le ministère. Que Dieu vous pardonne. Parce qu'il y a des dimensions que vous n'avez pas encore explorées. Et je crois et j'ai la ferme conviction que quand le temps sera accompli, vous comprendrez ce que vous ne comprenez pas, que nous, nous comprenons aujourd'hui. Et je vais prier avec tous ceux qui sont connectés ce matin. Une seule prière dirigée par l'Esprit de Jésus de Nazareth. Je veux prier avec toi, bien-aimé. S'il te plaît, je veux prier avec toi. Toute prophétie maléfique contre ta vie, je l'annule au nom souverain de Jésus. Toute prophétie négative, toute prophétie diabolique, toute prophétie, toute parole de malédiction, même si c'est ton Père, ta Mère, qui t'a adressé ces paroles de malédiction, je me tiens devant l'Éternel en tant que son serviteur et j'intercède que ces paroles soient effacées maintenant. Parce qu'il y a des paroles qui te poursuivent depuis ton enfance. Il y a des paroles. Demain, je vais vous parler de l'influence des paroles. De l'influence des malédictions. Que toute malédiction contre ta vie soit détruite au nom souverain de Jésus. Que toute parole de malédiction venant de ton père, de ta mère, de tes frères, tes sœurs soit anéantie. Je t'en décharge devant l'éternel qui m'a oué, au nom souverain de Jésus. Toute parole d'homme qui te bloque dans ta vie sentimentale sur le plan marital, de la carrière, de tes études, de ton avenir, de tes projets, de ta santé, je te sépare, je te décharge, je te libère aujourd'hui de toutes ces paroles maléfiques au nom souverain de Jésus. Je me tiens sur la parole de mon Dieu, qui dit, car ah, je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Et je prie que Dieu m'exauce à ton sujet. Tout blocage dans ta vie due à des paroles de malédiction, j'enlève ce blocage et je déclare. Que tu es béni. Je déclare qu'à partir de ce matin, ta vie est ouverte, tes portes fermées sont ouvertes, ta guérison est ouverte, ton miracle est ouvert, ton mariage est ouvert, ton travail est ouvert, tes études sont ouvertes, ta carrière, tes projets, tout ce que tu entreprendras sera béni au détriment de ceux qui t'ont maudit. Je prophétise en tant que prophète majeur, en tant que ton père spirituel, en tant que ton frère dans le Seigneur, ton compagnon de combat, que tu accompliras ta destinée sur la terre des vivants, que tu ne seras point un sujet de honte, ni aujourd'hui, ni demain. Je bénis tes entrailles et je bénis tes reins, monsieur. Je bénis tes entrailles, femme, je bénis tes reins, homme. Aucun esclave ne sera issu de ta postérité. Tu donneras naissance à des princes et à des princesses. Tu donneras naissance à des princes et tu donneras naissance à des princesses, dans le nom souverain de Jésus de Nazareth tout dossier qui a été déposé, je le libère au nom souverain de Jésus. Je proclame la libération, la libération. La bénédiction arrive chez toi là-bas où tu me regardes ce matin, dans le nom souverain de Jésus. Ces choses impossibles, qu'elles soient rendues possibles dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie au nom souverain de Jésus. Je vois la gloire de Jésus sur toi. Oh, je peux voir la gloire. Il y a des gens qui sont sous l'onction. Pendant que je parle, Dieu décide le revêtement de honte. De déçu ta vie. Le Seigneur déchire le vêtement de honte. Il te revêt de gloire au milieu de ta famille. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Tu seras célébré. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen en commentaire. Donnez des pouces bleus. Tu seras célébré au nom souverain de Jésus. Dans chaque domaine de ta vie où tu attends une intervention divine, reçois cette intervention. Reçois cette intervention. Reçois cette intervention. Ta vie sera un miracle vivant. Ta vie sera un miracle vivant. Ta vie sera un miracle vivant. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Père Saint, je te glorifie de ce que tu m'exauces. Je te glorifie de ce que tu visites ton peuple. Toute maladie maléfique dans ton corps retourne à l'expéditeur. Les maladies curables, incurables vous quittent au nom souverain de Jésus. Je proclame la guérison. Le VIH disparaît. Retournez à l'hôpital, refais les examens. Toute maladie qu'on a trouvée en toi qui te pose problème. Je te sépare de cette maladie. Je te sépare de cette maladie. Je te sépare de cette maladie. Père, répand l'onction de guérison dans le monde entier. Où ce direct est regardé maintenant. Au Père des miracles. 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 Au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth. Oh Dieu, étends ta main sur ton peuple. Que les malades soient guéris dans les hôpitaux. Qu'il soit guéri dans les prisons. Levez-vous et soyez guéri. Levez-vous et soyez en santé dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Reçois la vie et la santé au nom souverain de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était fermé, bloqué dans ta vie, s'ouvre maintenant. La Bible dit, voici, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne pourra refermer. Je déclare que les sorciers perdent le contrôle sur ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui était fermé, sauve, Ce qui était fermé, s'ouvre. Les portes fermées de ta vie s'ouvrent maintenant. Entre dans une nouvelle dimension. La dimension des opportunités. La dimension des grâces. La dimension des opportunités. Dans le nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Je te bénis. Je remplace toute parole de malédiction dans ta vie. Par ces paroles de bénédiction que je viens de proclamer sur toi. Je bénis ta journée. Et je glorifie le nom de Jésus dans ta vie. Seigneur merci parce que tu nous as exaucés. au nom précieux de Jésus on a prié amen dis moi amen en commentaire s'il te plaît dis amen si tu crois que cette parole s'accomplit dans ta vie dis amen 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 rendez-vous demain dès qu'il sera 10h ici en direct de notre plateforme ce soir nous lançons un grand programme et je supplie toutes les familles qui sont à Yaoundé payons le prix Viens avec ta bouteille d'eau. Ce soir, à partir de 17h, nous serons du côté de la bille. Et je veux dire à tous mes enfants qui ne sont pas capables de venir, d'être connectés. 17h, connecte-toi à cette page. Dieu va te bénir. Dieu va toucher ta vie. Connecte-toi à cette page, je t'en supplie. Mais si tu fais quoi? Écris dans ton agenda. 17h. Que ce soit sur Facebook ou bien sur YouTube. Mais 17h, rendez-vous avec le Saint-Esprit. Rendez-vous avec ma destinée. 17h, je serai connecté. Écoutez, mes amis. Je vois Satan fuir dans la vie de plusieurs d'entre vous. Je vous dis, hein. Je suis prophète Rohé. Je vois le diable s'enfuir. Les sorciers vont fuir. Les démons vont fuir. Celui qui a bloqué ta vie va fuir. Les gens vont vous fuir comme la peste. Toute personne impliquée de près comme de loin dans ta souffrance. Dans ton malheur, dans ton célibat, dans ta maladie, le fait que tu sois errant, 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 comme un dromadaire solitaire des lieux arides des déserts, l'Éternel retournera l'esprit d'errance à l'expéditeur. Mais toi, tu as une mission que tu vas accomplir sur cette terre, servant le Dieu de Gadara. Donc, à partir de 17 h connecte ta famille devant ton téléphone, ton laptop, ta tablette ou bien ta télévision. Dieu veut te bénir, mon ami. Dieu veut te bénir. Laisse Dieu te toucher. Laisse Dieu t'amener où il veut t'amener. Oh, je sens la grâce sur ma vie. Je sens la grâce, une grâce forte, en train de couler sur ma vie. J'ai envie que 17 arrive vite. Mets ça dans ton agenda. Tout le monde, vous tous, s'il vous plaît. Toi qui n'as jamais suivi les cultes en direct, s'il te plaît. Je parle comme un homme de Dieu pour ta vie. Connecte-toi ce soir. Il y aura des guérisons en direct. Je vais prier pour vous en direct. Vous allez rendre témoignage en direct. Et que mon équipe prépare déjà le téléphone, la ligne, pour recevoir le témoignage de mes bien-aimés qui sont en direct. Considère toujours que tu es à l'église. Quand tu me suis à l'église, que ton esprit soit dans la salle. Oui, que ton esprit soit dans la salle. Pour bénéficier de toutes les grâces. Donc 17h, mets ça dans ton agenda. Fais tout. Et Dieu te bénira. Ce jeudi, ce vendredi, tous les soirs à 17h. Et puis par la grâce de Dieu, dimanche à 7h30, soit connecté. Et tous les hommes de Dieu du Cameroun. Lancement officiel de la garnison des prophètes du 25 au 29. C'est 27 au 29 juillet, de ce mois, 27 au 29, nous serons du côté de la bille. On va passer tous ces jours là-bas en retraite, dans sa présence. Et le culte des familles, tout le Cameroun, nous vous attendons. Ça ne sera pas pour parler de congrès. Le culte des familles sera en quoi À la bille. Parce que parler de congrès n'est pas disponible ce mois. Donc, bien aimé, préparons-nous à tous ces grands rendez-vous. Tous les vendredis, viens avec ta bouteille d'eau à la bille. Ainsi qu'à Douala et dans toutes nos églises au Cameroun. Je vous aime d'un amour vrai. Mais Jésus vous aime encore plus. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous demain, dès qu'il sera 10h. Et je vais donner une doléance à tous ceux qui sont en direct, qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Je vous en prie, abonnez-vous. Juste pour m'encourager. Abonnez-vous. Vous serez une bénédiction pour moi. C'est une façon d'être une récompense pour moi pour tous ces efforts. Abonnez-vous à ma page avant de partir, s'il vous plaît. Et euh, cliquez sur la... La cloche de notification, avant de te de, de déconnecter, s'il te plaît, fais-le. Et toi qui obéis, que le Seigneur te surprenne avant le coucher du soleil de cette journée au nom souverain de Jésus. Abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. Et, dernière chose, partage cette vidéo. Envoie-la à une amie qui peut être béni par ses prières. Lorsqu'un prophète déclare, le ciel met son cachet dessus. Lorsqu'un prophète déclare, le ciel pose son son seau dessus. Donc ne laisse pas que ces paroles s'envolent. Sans qu'un ami, un frère, ta femme... Ton époux, tes enfants ne bénéficient de cela. C'est pour cela même qu'il faut leur envoyer le lien. Et ceux qui peuvent découper sur Facebook des parties essentielles pour envoyer ça dans d'autres réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites-le et Dieu vous bénira. I love you. Tomorrow, by the grace of God. Bye, bye, bye.